Ok, salut à toutes et à tous, c'est moi, Mathias83, et on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur South Park l'année du destin. Donc comme certains l'ont remarqué, oui, j'ai changé de nom, c'est plus Mathias le 83, c'est Mathias83, parce que c'est plus court, et beaucoup de gens me disent, pourquoi tu changes pas ton nom, parce que le LOL, pourquoi ça vient faire là? Bon, j'ai écouté leurs Une conseils. seconde, c'est le vengeur Peter. Et j'ai trouvé que c'était pas mal, hein, donc. Mais ça risque de changer après. Donc alors. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, trouve le pistolet sur. Mais comment je vais monter sur le toit? Attends, moi, je suis pas un hélico. Attends, comment je vais faire? Oh là là. C'est là. Ah, peut-être avec la poubelle. Ok, non. Ah? Donc là, il y a une vulnérabilité, ouais. Ah non. J'ignore comment je vais monter. Ah, il me semble que là, il te faut d'abord débloquer le nouveau pouvoir. Ok, il faut que j'aille chez Kyle. Hey, nouveau, je t'emmène où? Voilà, à la maison de cartes. Joli le nouveau. Et voilà. Oh, vous savez que hier aussi j'ai vu la tout premier épisode de South Park. Cartman a une seconde anale. Pour un premier épisode, c'est vrai que j'ai bien aimé. Juste, le graphisme derrière est bizarre parce que ça se voit que c'est du carton. Merci d'être venu, c'est par là. Qu'est-ce qu'il y a encore, Kyle? Dans la cour. Oh là là. Il veut pas nous lâcher, lui. Tu veux bien te charger de lui, s'il te plaît? Regarde, cousin Kyle. C'est Salmon qui m'a tapé dessus. Ouais. Oh non, il faut l'arrêter. T'en fais pas, cousin Kyle. J'ai développé ces super capteurs qui l'empêcheront presque à coup sûr de nous battre cette fois. Faut que je reste en dehors de ça. Mais s'il te plaît, fais en sorte qu'il s'en aille. T'en auras sonné, petite brute malfaisante. Ok. Cette limite représente la mer Rouge. Moïse ne pourra pas être de ton côté. Comment je fais? Oh, c'est à moi. Tu veux recommencer? Attends. Votre tour est maintenant la propriété du coup. Je compte sur toi, partenaire. Oh, il faut casser ça. C'est parti. On pourra peut-être être copains quand tu sortiras des soins attentifs. Fais genre de la bouillie. Bouillie, purée, peu importe. J'en ai plus rien à battre. Je le sens bien ce coup-là, les mecs. Ok, je vais essayer quelque chose d'un peu dingue. Alors accrochez-vous. J'y suis pas allé trop fort, je voudrais pas t'aider séquelles. Allez, acolyte, écrase-le!
C'est beau. On peut passer. L'heure de diabète a sonné. C'est parti. Mais pourquoi je peux pas passer? Oh là là. Mets un coup de poing. Ça, c'est pour sacrément, enfoiré. Je t'ai coulé. Merci d'être resté planté là comme une salope de biche devant mes phares. Je sais que je vais partir en vrille, mais je le fais quand même. Oh mince, je pensais pas que je te frapperais vraiment. Tu vas souffrir. Ok. Hey, ça y est, c'est réglé. Ok, ok, y'en a marre. Vous l'avez cherché. Et maintenant, l'homme cerf-volant va utiliser sa foi juive pour appeler le pouvoir du vent. Ikmela Shungia. Que la force du vent fasse voler mon cerf-volant. Oh, oh putain, il s'est envolé. Ah oh, mon dieu, mon cerf-volant s'est barré dans l'arbre, cousin Kyle. Alors, abandonne. Pas d'inquiétude, cousin Superpote. J'ai peut-être plus mon cerf-volant, mais il me reste ma super arme. Quoi? Tanchella, il y a des enfants qui m'embêtent. Quoi? Qui est-ce qui t'embête? Qui êtes-vous, les enfants? J'appelle vos mamans immédiatement. C'est quoi cette musique? Ouais, donne-leur une leçon, Tanchella. C'est à moi d'attaquer, c'est ça? Oh, bon temps. Quoi déjà? Ah, il est protégé, tricheur. À mon tour! Ah oui, je connais cette musique! C'est dans South Park le film. À moi de jouer! Quand Cartman il traite la mère de Kyle d'une grosse conne. Méga coup de poing! Mec, c'est ma mère! Ok, arrêtez tout le monde! Ça va trop loin! Pédale, ces gamins ont besoin d'apprendre les bonnes manières! Youpi, Tanchella! Vous voulez venir dans mon jardin et manquer de respect à ma famille? Vous allez voir, bordel! Mon, du calme! Je vais vous envoyer au quatre... Nada! Vous vous êtes fait enculer! Cône griffe en place! Place au coude! Oh! J'avais envie de faire ça depuis si longtemps! Va te faire foutre, le coon! Aïe! Ah! Laisse notre ami tranquille, toi! Lâche-toi à nouveau. Oh, hé, arrêtez ça tout de suite! N'approchez pas de mon trésor, tas de petits monstres! Ah, mais elle est trop forte! Trop forte! Oh là là! Trudit a l'air tout mort. J'espère que vous faites toutes bien attention parce que je vais vous donner une leçon. Ah, réveille-toi, Super Craig. Essaie de suivre un peu. Capitaine Diamond s'apprête à frapper. Est-ce que j'aurais des chaînes à moi? Dire que tu sais encaisser, diabète. Merci de l'avoir remarqué, Super Craig. Vous attaquez pas à ma mère, elle va vous botter le cul. Pas de gros mots, Kyle. Ah, les attaques ne font que renforcer ma rage. Mais attends, mais elle joue deux fois, regardez tout ça. Pas cool. Ça, c'est pour moi. Oula, ça, ça risque de faire mal. Hé, ne touchez pas à mon neveu, bande de petites merdes. Si vous cherchez le coup, vous en répondrez devant ses amis, pas vrai les mecs? J'ai la tête qui tourne, faut que je mange un truc salé. Ok.
Ok, là, je suis mort. Alors, ce n'est pas mieux quand tout le monde joue ensemble gentiment? Je suis bien d'accord, Tonchella. Il prend place qui domine. Dans la cour. Faut absolument que je meurs pas. Voilà. Est-ce que j'ai un peu amené d'autres gens? Alors. Enfin, quelqu'un qui est fort. Alors, attends, où est-ce que sont passées toutes mes potions de réanimation là? Cette limite représente la mer Rouge. Moïse ne pourra pas être de ton côté. Je t'ai coulé! Merci d'être resté planté là comme une salope de biche devant mes phares. C'est à moi d'attaquer, c'est ça? Oh bon sang. Oh mince, je pensais pas que je te frapperais vraiment. Allez, acolyte, écrase-le! C'est parti! Place à Diamet! On pourra peut-être être copains quand tu sortiras des soins attentifs! Fais-en de la bouillie! Bouillie, purée, peu importe. Je le sens bien ce coup-là, les mecs. Ok, je vais essayer quelque chose d'un peu dingue. Vous vous êtes fait enculer! Je compte sur toi, partenaire! Diabète a sonné. C'est parti. J'en ai plus rien à battre. C'est bon. Ça, c'est pour Sacripant, enfoiré. Oh bon, t'es divine, est-ce que c'est mon sang? J'avais jamais encore vu mon propre sang. Je sais que je vais partir en vrille, mais je le fais quand même. Je suis pas allé trop fort. Je voudrais pas que t'aies des séquelles. Lâche-toi à nouveau. Capitaine Diamond s'apprête à frapper. Hé, hey, du calme, j'ai la peau qui marque facilement. Super Craig, au rapport. Tu vas rien voir venir, mais sache que ce sera le cône. Wow, ça y est, c'est réglé. Yeah. On les marave. Ok. Qui êtes-vous, les enfants? J'appelle vos mamans immédiatement. Ok, super, ouais, j'ai mon truc à 100%. Oh, c'est à moi. Tu veux recommencer? Je peux attendre, non? Éclate-la, trou duc.
À moi de jouer. Ouf, là, ça fera bien la pénaliser. Youpi, Tanchela! Écoutez les mecs, vous pouvez pas taper ma... Merde! Ou du moins, vous allez devoir me passer dessus! Place au cours, là! Ok, elle est déjà blessée. Vous voulez venir dans mon jardin et manquer de respect à ma famille? Vous allez voir, bordel! Mon, du calme! N'approchez pas de mon trésor, tas de petits monstres! Arrête de déconner, gros duc! C'est mon petit super-héros! J'espère que vous faites toutes bien attention parce que je vais vous donner une leçon! Laisse notre ami tranquille, toi! Faut y aller, gros duc! Ok, là, elle va mourir. Bien joué, gros duc! Bon. T'aurais la victoire! Comme la fois où j'ai saigné du nez partout comme tous les soirs. Yeah. On peut dire que tu sais encaisser, diabète. Merci de l'avoir remarqué, Super Craig. Oh mon dieu, attention à mes... Le coup, il a encore sauvé la situation. Super. Mérite d'être arrêté. Non, non, mens. Pas la police. Tout est ma faute. Quoi? Écoute, c'est juste que je ne supportais plus que mon cousin copie tout ce que je fais. L'homme cerf-volant est là pour sauver les gens. Il s'occupe pas du judaïsme. Et maintenant, regarde-moi tous ces dégâts. Je devrais porter plainte contre tes amis. Et regarde, mon cerf-volant est pris dans les branches. Je suis désolé. Allez, je ferai n'importe quoi. Tu vas laisser ton cousin jouer avec toi à partir de maintenant. C'est clair. Oh, t'as entendu, Kai? Tanchela dit que je peux jouer avec vous. Oui, parfois, tu peux jouer avec nous. Youpi! Maintenant, décroche le cerf-volant de ton cousin de cet arbre. Tu ne dureras pas avant d'avoir fait. Viens, mon roudoudou, on va te chercher du bactine. Ah non, je déteste le bactine. Ça me colle aux doigts et je fais de l'eczéma à cause de la lidocaïne. Putain, il est difficile, le cousin. Bon, alors... Oh mince! Comment on va faire pour récupérer ce cerf-volant? Ok, il y a comme un truc là-haut. All L2. Mais pourquoi? Enfin. Oh, c'est une super idée. Déplace-toi vers l'hologramme. Wow, ton cul est plein de surprises.
Super, on le tient. Maintenant, ma mère ne sera plus fâchée contre moi. Comment on va faire pour descendre maintenant? Je vais appeler ça le prout mobile. Si tu dois atteindre des hauteurs, des endroits inaccessibles, appelle-moi et je m'y rendrai en prout mobile. En revanche, j'espère qu'on n'aura pas à le faire en public. Super. Donc maintenant... Ça risque de piquer un peu, mon roudoudou. C'est le moment d'être un grand super-héros, cousin Kyle, et de pardonner à notre nouveau voisin. Si vous preniez une photo de vous deux... Bon. Je vais aller... Bah, continue la mission. Voilà. Je suis le plus rapide de la ville. Faut filer vite. Donc maintenant, on pourra y aller. Allons-y ! Wow, wow ! Je crois en toi, enfin à tes pets en tout cas. Allez, on recommence. Prout mobile. Paré au décollage. Zut. Allez, on recommence. Prêt? Oups, raté. Pas grave, réessayons. Oh, j'y arrive pas. Mais putain, pourquoi j'y arrive pas? Oh là là. Est-ce qu'il faut rester appuyé? Ah, seigneur, vas-y à fond. Ah, wow, on a réussi à nouveau. T'as grimpé jusqu'ici, on a qu'à faire un selfie. Super. Youpi. Bon alors... Cool. Crée-le, le nouveau, comme je t'ai appris à le faire. Super. Ok. Il fait frais ici. Faudrait rajouter des manches à mon costume. Route mobile. Paré au décollage. Wow, wow. Yes. J'ai combien de followers maintenant? Je pense que ça n'a pas changé. Donc maintenant je dois aller où? Créer le Chimparito. Heureusement qu'il y a les trucs de téléportation, parce que sinon... Regardez-moi ça. Quelqu'un a demandé un voyage express? Joli le nouveau. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit. Finalement, je vais plutôt faire ce jeu avant Battlefront 2, puisque... j'ai pas beaucoup joué au jeu de rôle. Joué une ou deux fois, là c'est ma deuxième fois. Donc Battlefront, j'ai déjà joué. Ici, super crétin. Je le ferai après.
pour en profiter des jeux de rôle. Tu devrais faire des réserves, Vengeur. Comment on fait le Shimparito? Fais attention à... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Crée le Shimparito. Super-héros. Qu'est-ce qui ferait plaisir au petit justicier prétentieux? Reviens quand tu... Ah, mais je pense pas qu'on est obligé de le créer. Shimparito. Voilà, c'est ça. Et comme ça, on pourra aller... Comment ça s'appelle déjà? Ouais, on pourrait... Pendant les horaires d'ouverture, j'entends. Et je pourrais aller... au Medical French Chicken. Tu pourras rentrer, oui. Quand les marchés se seront effondrés. Je suis le plus rapide de la ville. Bon non, c'est bon, c'est juste là. C'est juste là, de toute façon. Voilà. Allez, sois pas timide. Heureusement que ton trou de balle est de notre côté, le nouveau. C'est bon. Ah, le nouveau! Je vois que tu es aussi venu encourager Classy à coopérer. Je t'en prie, abris-toi. Bonjour, on vient chercher le médicament d'une amie. Oh, est-ce que votre ami recherche une sensation de légèreté vitalisante ou un remède plus enveloppant? Je sais pas. Patientez un instant, notre assistant va venir vous renseigner. Salut, ah, ça va être vous faire un kiff. Oh, salut Eric. Ah waouh, Servietsky! Je croyais que t'étais en désintox! Oui, mais je suis revenu à South Park, clean et sobre depuis près d'un an. Clean et sobre, zéro drogue. Et je vais vous dire un truc, ça me manque pas! Et tu travailles ici, dans une boutique de hache? De cannabis, Eric. C'est fou, hein? Là, je me défonce en aidant les gens à traiter leur insomnie, leur migraine et le stress. Naturellement, vous saviez qu'avant, les Chinois donnaient du cannabis aux bébés qui faisaient leurs dents. Ah! Moi, j'ai un caractère addictif, alors je fais l'impasse. En plus, j'ai eu un gamin avec ma copse, alors mieux vaut filer droit, vous voyez? T'as un enfant? Ok. En fait, j'étais tellement perché à l'époque que je me suis pas rendu compte que j'en avais un. Et maintenant, j'ai un travail, je paie un loyer et j'aide les gens à trouver des remèdes à base de plantes pour combattre toutes les angoisses modernes dues au travail, au fisc, au trafic et à une femme qui vous harcèle à la maison en répétant « Servietsky, il y a une fuite, pourquoi tu la répares pas? Je suis pas plombier, salope! Je suis une serviette, pas un putain de plombier !» D'accord, on est venu chercher des médicaments d'une amie, Classy. Oh, Classy, Classy avec un Y qui se termine en clito venant caresser le C. Non, Classy avec la bite qui pendouille du I en venant déloger le L. Oh, cette Classy, bien sûr j'ai sa commande. En fait, elle aime bien le banana couche pour son mal de dos et le platinum OG pour... Attendez, c'est quoi ce bordel? Qui a rangé le chillax couche avec l'OG mellow bliss? Vous êtes des demeurés, ma parole! Les gens vont pas mélanger doux et relax, ils vont finir complètement déchirés, putain de merde! Hé, service! C'est bon, détends-toi! Non, c'est pas bon, putain! J'essaie de tenir une activité décente ici et j'ai mal au dos, je dors pas, je mange plus! Cette ville de merde est tellement barrée qu'il faut acheter notre cam auprès des sixièmes et Dieu sait ce qu'ils mettent dedans! Et pour couronner le tout, voilà que deux salmons font irruption dans mon magasin pour me dire de me détendre! Allez vous faire foutre! Détends-toi! T'es qu'une serviette! Il perd pas la boule. Les conseillers par ici. On va donner à ces gamins une putain de consultation. Attention, il y a de la cam partout.
Oh. Oh. Vous vous êtes fait enculer! Le client a tort, meuf. Tu vas regretter de pas être une serviette. Reculez, ami du goon. Le chef est là. Aïe! Merde, il me faut un antidouleur. Voir pas ce coup-là, enflure. Oh. Ça peut durer des heures. Et je fais une serviette super absorbante, bande d'enfoirés. Que pouvoir sont inutiles face à la serviette. Allume tout de nouveau. Eh, il y a les économies d'une vie en weed ici. Oh. Merde, vous avez mis le feu à mon stock. Mais ça sent bon, le désodorisant de Dieu. Fais brûler un autre tas. Oh, c'est mon moment préféré. T'auras qu'à raconter que tu t'es coupé en t'épilant. Aïe, aïe. Cogne quelqu'un pour le coup, duc du trou. Hé, hey, passe tes nerfs sur la serviette. Ce genre de choses n'est pas inscrit dans le manuel de l'employé. Encaisse, trou duc. Comment je peux avoir la nausée? C'est pas possible. Vas-y, brûle. Vous aimez ça, stupide serviette? J'adore mon travail. J'apprends des choses tous les jours. Allez, détends-toi la nouille. J'en ai trop marre. Fais brûler un autre tas. Comment je peux brûler les tas déjà? J'ai la tremblote, appelez mon sponsor. Faut faire comment? Respecte les fleurs. Ah merde, arrête de cramer la marchandise. Mais faut dire que c'est de la bonne. On est de retour. Ok, c'était cool les mecs, mais vaudrait mieux bâcher ça vite fait. Allez faire vos bêtises ailleurs, les gosses. Votre tour est maintenant la prochaine. J'aime pas trop la vue de mon propre sang. Dites aux gens que je sais qu'ils m'aimaient. Bon sang. J'espérais que vous alliez brûler celui-là aussi, ça aurait mis une bonne ambiance de teuf.
fonctionné. Oh non, 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 non. Merde, va nous falloir un nouveau nouveau. Je me sens un peu armé, mais je crois qu'on a le dessus. Ah, le nouveau. Je vois que tu es aussi venu encourager Classy à coopérer. Je t'en prie, abris-toi. Bon. Je vais essayer. Bonjour, on vient chercher le médicament d'une amie. Oh, est-ce que votre ami recherche... Les conseillers, par ici. On va donner à ces gamins une putain de consultation. Attention, il y a de la cam partout. En fait, il faut que je brûle. Pas être une serviette. J'adore mon travail. J'apprends des choses tous les jours. Merde, vous avez mis le feu à mon stock ? Mais ça sent bon, le désodorisant de Dieu. Fais brûler un autre tas. J'ai la tremblote, appelez mon sponsor. Je suis de retour. J'étais en train de régler un truc. Respecte les fleurs. Alors. Alors. Je t'ai coulé. Je suis plus lover que bagarreur. Je brûle. Hey, je brûle. Voir pas ce coup-là, enflure. C'est du harcèlement moral au travail. Allez faire vos bêtises ailleurs. Les gars. Oh mon dieu, trop dur que vous la mise bien profond. Le client a tort, meuf. Merde, arrêtez de cramer la marchandise! Mais faut dire que c'est de la bonne! On a brûlé un autre! Merde, il me faut un antidouleur!
Oh, au fait, je suis toujours en train de cramer. Votre chef brûle les mecs. Éclate-les, trou duc. Super absorbante, bande d'enfoirés. Nos pouvoirs sont inutiles face à la serviette. Faut que j'essaie d'aller là, en fait. Désolé, les mecs. J'étais pas au top de ma forme. Dites à ma mère que je suis mort par sa faute. J'en ai trop marre. Ça te fait pas de mal, Todd, espèce de grosse merde. Faut que je brûle. Hey, passe tes nerfs sur la serviette. Ce genre de choses n'est pas inscrit dans le manuel de l'employé. Encaisse, trou duc. Je vais devoir fermer la boutique plus tôt aujourd'hui. Oh, joli mouvement du poignet. Votre tour est maintenant la propriété. Vous savez vous amuser, les gars. Le nouveau. Eh, hey, y a les économies d'une vie en bon sang. J'espérais que vous alliez brûler celui-là aussi, ça aurait mis une bonne ambiance de hauteur. Seigneur Peter, sérieux? Tu veux voir un truc cool? Trouve-moi de la laque et un briquet. Vous aimez ça, stupide serviette? Mon sandwich dans le frigo la semaine dernière. Bonne session les enfants, ça va la fumée. Oh là là, la gaffe. Le coup est de retour. Des fois, j'ai l'impression d'être le seul à faire quoi que ce soit. Ah, oh. Ah, pourquoi tu me frappes, mec? Vous vous êtes fait enculer! Faut y aller, trou duc! On va revoir sa prime de paix à la baisse. Vas-y, brûle. Oh là là. Je me sens un peu asthmé, mais je crois qu'on a le dessus. Oh. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à liker si ce n'est pas fait pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.